Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Hero Warriors. Pour le choix du scénario, nous allons dans les contrées ténébreuses, au royaume du roi des ombres. Pour ceux qui ne connaissaient pas le jeu, je ne vais pas spoiler, mais c'est un endroit, le palais du crépuscule, qui est quand même assez classe, hein. C'est un des meilleurs endroits du jeu, je pense, voire de toute la série entière. C'est une de mes endroits préférés. Même si c'est des endroits lugubres, c'est quand même assez badass ici. C'est quand même un palais qui est assez classe. Donc c'est parti, on est bien en normal pour pas faire la même couille que l'autre fois. On choisit soit Lana ou soit Midona. On va prendre Midona cette fois-ci. J'ai envie de prendre Midona. On va peut-être se faire laminer vu que c'est pas l'élément qui est efficace. Lana had saved an unusual girl named Agatha from the twilight. To thank Lana for her rescue, Agatha gave her a goddess butterfly, an insect that could guide her wherever she wished to go. A curious Twi'lek named Midna also joined the party for reasons of her own. The heroes follow the goddess butterfly, eventually arriving at the Palace of Twilight. There, they met a terrible foe. It was Zand, the usurper king of the Twilight Realm. Lana and Midna would have to overcome his unnatural powers to complete their task. Donc c'est parti. Situation. Vaincre Xanto, Lana fuit ou la base alliée est prise. Donc. Ok. Donc là, primordialement, je pense que c'est d'aller en bas à gauche pour prendre le fort et le poste, voire les deux postes à côté. Donc voilà. Palais du crépuscule. Et voilà. Donc non, ce qu'on veut faire, c'est que déjà prendre le fort qui est tout en bas. Donc, allons-y. Vaincrons ce sort. Ah, il y a un petit Gibdo ici. On va battre juste après. Bon là, Midona fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Je vous dis, on va galérer. Hein. Je vous dis, on va vachement galérer. Hop. 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 Hop, hop, hop. Non, mais c'est pas ça en fait. Comment on attaque déjà? Oui, c'est ça, c'est comme ça. Du coup, ok, d'accord. Ok, d'accord. Le problème, c'est que je fais pas beaucoup de dégâts en vrai. Hein. Voilà, bon, on a pris le poste, mais. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Moi, je dis. C'est bien parti pour un épisode galère. Hein. Hop. C'est bon, j'ai réussi à esquiver. Voilà. Bon, allez hop. Utilise ton truc. Voilà. Non, 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 non. Hop, hop, hop. Allez. Vas-y. Hop. Hop. Voilà. Fait que 80 de dégâts. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. Ça n'est pas beaucoup. Alors, c'est les ennemis qui sont plus puissants. Peut-être aussi. C'est peut-être possible. C'est possible, voilà. Vous avez un Gibdo d'argent, donc c'était un nouvel ennemi, donc c'était ça aussi. Donc hop, hop, on va te tuer toi aussi. Hop, hop, voilà. Tu n'es toujours pas mort, hein. Tu n'es pas mort. C'est à protéger la porte des âmes. Ok. Du coup, on va prendre le fort. On va prendre le fort et pour commencer, bien évidemment, on va faire un petit attaque spéciale. Donc c'est parti. Bon, on n'a pas tombé aux mains de l'ennemi. Oui, c'est bon. C'est bon. Wow. Voilà. Hop, voilà. On vise un et on vise l'autre, bah, bien évidemment. C'est la logique. Hop. Ah, une tourelle. Ah, nice.
Une jolie petite tourelle. Ça fait plaisir. Mais c'est comme ça. Hein. C'est tout à fait comme ça. Hop, hop. Vas-y, meurs toi là-haut. Voilà. Non, tu meurs pas. Tu meurs pas. Tu n'hésites pas de mourir. Hein. Voilà. La tourelle. La tourelle. Hop, 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 hop. Voilà. Tu es décédé. Hop, on repart, voilà, on repart vers toi. Voilà. Allez, allez, viens. Hop, hop, hop. Hop, tu ne meurs pas, ça fait plaisir. On adore. Hop, vas-y, tu descends. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, on tue des petits ennemis, ça fait plaisir. Et on a tué un second. Nice. Ensuite, on va buter ce chef de poste. C'est parti. Voilà. On a réussi. Pépère. Tranquillou. On va récupérer de l'énergie. On va récupérer les matériaux. Blablabla. C'est bon. Là, on a tout fait. C'est que, en fait, on a récupéré le chef de poste automatiquement ici. Donc, ça fait plaisir. On va aller en plein milieu. Parce que je pense que il faut que j'aille par là-bas. Donc, hop, 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 c'est parti. Il en a secouru le capitaine Dirule. Ah, j'ai sauvé une personne, d'accord. J'ai sauvé une personne, ça a fait plaisir. On va prendre ce fort, parce que je pense qu'il faut le prendre. Je pense sincèrement qu'il faut le prendre, je pense que c'est ça la mission. Du coup, bonjour. Bonjour. En fait, il n'y a personne, en fait. C'est ça que je ne comprends pas. C'est à part des petits mobs, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes à nous, des soldats iruliens, des soldats d'Irul, que des méchants. C'est con à dire, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Il y a plus de soldats iliens que de méchants. On va utiliser une petite attaque spéciale, ça fait plaisir parce que je n'ai pas du tout attaquer le boss du fort, hein, surtout qu'il est devant mon nez, hein. C'est magnifique, c'est magnifique, ça, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, et nous avons obtenu un petit coffre où on va sûrement avoir une arme spéciale ou un truc du genre, je pense. C'est une arme. C'est une arme, comme je l'avais dit, une arme scellée. Donc c'est parti. Oh, c'est qui me tape là? Donc, on va partir en direction de là-bas. Ah bah non, on va pas aller par là-bas en fait. Ah non, on va pas aller par là-bas. C'est cassé. On va pas aller par là-bas. Du coup, là, c'est course contre la montre. Là, il va falloir vraiment se dépêcher, parce que si on veut pouvoir passer de l'autre côté, ça va être Tandax, hein, je le dis direct, ça va être fucking Tandax. Du coup, hop, bonjour, je passe. On va récupérer ce... Ah, le Guido Ardent a fait fuir le capitaine Dirule. Ah, magnifique, c'est pas mal, hein. Là on adore. Il y a une oh là là, il y a une tourelle, voilà. Hop. Le guide d'ordre. Vas-y, passe. Hop, hop, hop. Non. J'ai voulu me barrer. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vas-y, attaque. 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 Vas-y, utilise ton touffle de merde là. Voilà. Hop, hop. Non. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Hop, hop, voilà. Tu meurs ou tu meurs pas? Non, tu meurs pas. Non, tu ne meurs pas. C'est magnifique. Tu ne meurs pas. Ces guides ardents sont forts. Ils sont forts, ces guides ardents. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut l'approuver. Ils sont quand même pas mal. Par contre, Midona, j'ai l'impression qu'elle a pu quand même bien la merde comparativement aux autres persos, parce que habituellement le skill, l'attaque spéciale,
en fait, permettait de niquer une personne en one shot. Là, on n'est pas du tout sur ce cas-là, en fait. Là, on est plutôt sur je me fais, je lui laisse un pixel de vie. Donc là, on n'est pas super bien en termes de d'attaque. Alors, on n'est pas du tout dans le bon attaque. Hein. On n'est pas du tout dans le bon endroit pour attaquer. Donc là, hop, regarde. Regarde, je ne fais que dalle comme dégâts. Habituellement, j'arrivais à le buter. En un coup. Voilà. Hop, voilà. Je t'ai niqué un petit peu quand même. Faut l'avouer. Hop, non. Vas-y. Hop, hop, voilà, j'ai vaincu un Aialphos. Hop, 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 hop. Second Aialphos, allez, viens. Allez, viens. Et hop. Ouh, là, on va faire une petite brochette, là, ça va être sympa. Ça va être sympa. 48. Effectivement, c'est sympa. On va rattaquer une seconde fois. Voilà, parce qu'on est des, fous. On est des fous. Le problème, c'est que ça fait vraiment que dalle comme dégâts. Donc, ça va faire un... C'est un peu con. Le capitaine Hero a vaincu un Gibdo Ardor. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Continue. Continue. Peuple ilien. Et hop. Et voilà. Normalement, chute de l'aile est imminente. Ah. Chute de l'aile est imminente. Bah. Autant te dire, je te laisse détruire le fort pour que je te le reprenne juste après. Donc, à un moment, il y a un coffre ici. Voilà, il y a un coffre que j'avais pas récupéré après avoir vaincu ce fort, simplement. Donc, on a le grappin. Oh, le grappin, voilà. Le magnifique grappin.